Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, je vais vous parler de freinage, plus exactement de montage des étriers de frein sur le cadre à l'arrière ou la fourche à l'avant. Vidéo freinage, c'est marqué ici sur ma boîte, couvercle de boîte de sorbet. Vous vous souvenez des fruits, de l'eau, du vélo. C'est parti, on y va. Freinage. Alors, il y a plusieurs types de fixation des étriers sur votre vélo, soit vous êtes en post-mount, soit vous êtes en standard international. Le standard international va disparaître, est en train de disparaître, il est remplacé maintenant par le post-mount. Alors qu'est-ce que le post-mount? Tout simplement, votre étrier de frein, il est là, il se fixe à l'arrière de la fourche ou sur le cadre et les vis sont dans ce sens-là, c'est-à-dire directement sur la fourche, comme ici. Donc l'étrier est à l'arrière de la fourche. Ou alors, autre possibilité, l'étrier est au standard international et les vis sont sur le côté et viennent se fixer sur le côté de la fourche, comme ici sur ce vélo. Vélo pour enfants, mais vélo avec un standard ici international, vous le voyez ici à ce niveau là les fixations sont sur le côté. Donc si je fixe un étrier ici, il vient se fixer sur le côté comme ça, il est à l'intérieur mais les vis se fixent ici sur le côté comme ceci, alors qu'en post mount elles viennent se fixer à l'arrière. Alors évidemment, si vous montez un étrier post-mount sur une fourche qui a des fixations standard, système standard international, vous devez mettre un adaptateur comme celui-ci, par exemple, qui vient se fixer ici et qui vous permet ensuite de fixer l'étrier post-mount sur une fourche standard international. Évidemment, l'inverse est possible également. Imaginons que vous ayez une fourche post-mount comme celle-ci. Vous mettez cet adaptateur ici à l'arrière et vous venez fixer votre étrier sur le côté avec cet adaptateur ici. Donc vous fixez avec les vis l'étrier au standard international sur le côté sur une fourche qui est prévue pour du post mount. Alors pourquoi cette vidéo? Cette vidéo pour vous parler du diamètre des disques. Donc on peut mettre à l'avant par exemple un disque de 160 mm, de 180 mm ou 203 ou 200 mm. Plusieurs diamètres de disques possibles. Évidemment, en fonction du diamètre du disque, vous allez être obligé de rajouter un adaptateur qui va en réalité écarter un petit peu l'étrier de la fourche, parce qu'évidemment comme le diamètre du disque augmente, la position de l'étrier doit être un peu excentrée par rapport à l'axe de la roue, plus excentrée en tout cas, le rayon du disque augmente, donc l'étrier s'éloigne du centre de la roue. Très important à savoir et c'est une difficulté que j'ai rencontrée. Donc, je vous en parle. Évidemment, plus l'adaptateur est épais, donc il est court ici, mais il est assez épais de ce côté-là, plus la vis que vous allez devoir utiliser va être d'une longueur importante. Je m'explique. Allons voir ensemble comment ça se passe sur le vélo qui est ici. Donc très simplement, vous avez un étrier comme celui-ci à monter sur cette fourche, fourche qui a une fixation post-mount, donc vous venez fixer l'étrier à l'arrière comme ceci. Imaginons que vous ayez un disque de 160 mm de diamètre, et à ce moment-là, tout simplement, vous utilisez des vis normales qui viennent ici sur l'étrier et qui se fixent, qui se vissent donc sur la fourche. Simplement,
Maintenant, et c'est le cas ici, vous avez un étrier qui est beaucoup plus épais parce qu'effectivement, vous avez un disque ici qui est d'un diamètre supérieur puisqu'ici, il est de 180 mm. Donc, vous le voyez bien ici, la vis comme celle-ci, une vis comme celle-ci serait trop courte ici. Il y aurait très peu de prise à ce niveau-là. Et serait beaucoup, beaucoup trop courte en haut, puisque, à la limite, la vis ne viendrait même pas se visser dans la fourche. Alors faites très attention à la longueur des vis que vous utilisez. Ici, cette vis est trop courte. Elle rentre à peine dans la fourche ici, fixation de la fourche, mais elle est beaucoup, beaucoup trop courte en haut. Elle ne rentre même pas, elle ne traverse même pas l'adaptateur ici. Trop courte. Donc, utilisez des vis qui sont beaucoup plus longues, comme celle-ci. Ici, pour l'arrière, je pense que cette vis est un tout petit peu trop longue pour l'arrière, ici. Et par contre, elle est limite encore ici, compte tenu du fait qu'elle rentre à peine ici dans la fixation de la fourche. Alors évidemment, lorsque vous achetez un disque d'un plus grand diamètre, vous devez faire très attention à la longueur des vis ici de fixation de votre étrier. Vous devez faire attention à la longueur de ces vis en fonction de l'épaisseur de l'adaptateur que vous devrez utiliser si vous augmentez le diamètre de votre disque. Bien entendu, si vous avez un disque d'un grand diamètre et que vous réduisez le diamètre de ce disque, il faudra bien entendu faire l'opération inverse, c'est-à-dire trouver un adaptateur plus fin, moins épais, ou si vous passez d'un disque de 200-203 mm, 180 mm, à un disque de 160 mm, à ce moment-là, bien entendu, vous allez enlever l'adaptateur et les vis, elles, seront trop longue, donc il faudra récupérer des vis beaucoup plus courtes. Donc attention, et c'est le sujet principal de cette vidéo, attention à la longueur des vis pour fixer votre étrier sur la fourche et également sur le cadre à l'arrière. Alors, dernier conseil et très important, ne faites pas n'importe quoi, n'achetez pas n'importe quel disque. C'est pas parce que vous avez vu à la télé, entendu à la radio ou entendu vos potes parler des diamètres de disques en disant « Ah, tu devrais mettre un 200 mm ou un 203 mm. » Les gens qui font du VTT de descente mettent du 203 mm, c'est top, vas-y, fonce. Ok, mais attention, tous les diamètres de disques ne vont pas forcément sur votre moyeu. Alors évitez par exemple de mettre un disque de 200 ou 203 mm sur une roue avant qui aurait un serrage rapide avec un axe de 9 mm. C'est vraiment une question de rigidité. Vous devez poser la question, vous renseigner. Impossible de mettre un disque de 203 mm prévu pour la DH, le VTT de descente, sur un vélo qui est prévu pour la rando sportive avec un axe avant de 9 mm avec un serrage rapide. Vous allez déformer le moyeu, déformer l'axe de la roue avant. Tout ça, évidemment, c'est une question de rigidité, question de logique également. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo ou un nouveau tutoriel. Vous pouvez également me poser toutes vos questions concernant les étriers, les adaptateurs ou le diamètre des disques. Faites ceci par email. Voici mon adresse email. maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.